Salut à tous, c'est Automatis youtubeurs, J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une, une, un nouvel épisode de, de Info. Voilà, et donc, comme vous avez pu le voir encore une fois, c'est la nouvelle introduction maintenant. Hein. J'espère que la nouvelle introduction vous plaît parce que ce sera celle-là pendant à peu près un an, voire deux ans, je pense. Hein. Je pense que l'introduction que j'ai. Euh, la nouvelle introduction qui va passer sur tous les épisodes d'Air Info, je pense que, que vous allez la voir pendant un an, voire deux ans. Parce que l'ancienne introduction que j'avais avant. Eh ben, elle avait tenu pendant deux ans et je pense que celle que l'écrit là, je pense que cette nouvelle introduction va encore durer pendant un an voire deux ans aussi, hein, comme l'ancienne. Bon bref, sans plus tarder, commençons à lire, fin, à, à lire le premier article. Encore un incident sur un avion Boeing. Une bombe dans l'appareil. La tour de contrôle reçoit l'alerte juste avant le décollage. Les passagers évacuent en urgence. L'avion allait s'envoler vers Londres. Après... Après la porte qui s'arrache en plein vol, le pare-brise qui se fissure, l'épisode de l'atterrissage raté, voici l'alerte à la bombe. Un avion Boeing a encore été victime d'un incident spectaculaire. A la différence près que cette fois-ci, l'avionneur est arrangé dans la catégorie des victimes et qu'il est exonéré de toute responsabilité. Donc en gros, ça n'a rien à voir avec euh, l'avion lui-même, en gros. Hein. En effet. Dimanche dernier, sur le tarmac de l'aéroport international LF Wade des Bermudes, un avion, Boeing, un avion Boeing de la compagnie British Airways a été frappé par un incident inattendu qui a provoqué un vent de panique chez les passagers. Selon les informations de Vesson, le Boeing 777-200 s'apprêtait à décoller quand les autorités ont reçu un mail signalant que l'avion devant... Devant se rendre à Londres, aéroport 10 fois, était visé par une alerte à la bombe. Une fois l'information transmise à la tour de contrôle, le vol numéro BA 158 a ainsi été annulé en urgence et l'ordre d'évacuer tous les passagers a été donné alors que la police se rendait sur les lieux. Les autorités des Bermudes ont bouclé un périmètre de sécurité de 9 km autour de l'aéroport. L'avion a ainsi été scrupuleusement inspecté mais ne s'est jamais envolé. Nos confrères ont pu recueillir la réaction de la compagnie British Airways. La sécurité de nos clients et collègues est toujours notre plus haute priorité et nous avons suivi nos procédures standards pour débarquer de l'avion. Nos équipes prennent soin de nos clients et soutiennent l'équipage alors que nous efforçons, alors que nous efforçons de les mettre en route le plus rapidement possible. Donc voici le voici le communiqué de British Airways. Voilà donc c'est British Airways qui a annoncé tout ça. En raison d'une un, compétition de voile, aucune chambre d'hôtel n'était disponible. Les passagers ont donc dû attendre et dormir dans l'aéroport avant que la compagnie ne leur offre un nouvel appareil. Une longue attente en toute sécurité. Allez pour la deuxième actualité, nous voilà, nous, nous voilà partis pour une actualité beaucoup plus joyeuse par rapport à la première, même si la première a été euh, a été spectaculaire, mais rien de grave finalement parce que les passagers n'ont pas été blessés ni rien du tout. Donc là c'est de la partie pour la deuxième actualité. Volotea annonce deux nouvelles destinations au départ de l'aéroport Brest Bretagne. Volotea, la compagnie aérienne qui a récemment inauguré sa base à, sa base à Brest a dévoilé deux nouvelles lignes ce mardi 7 mai, Lanzarote et Tenerife Sud, dans les Canaries. Après avoir inauguré sa nouvelle base à l'aéroport Brest-Bretagne, jeudi 18 avril, sa neuvième en Europe et sa vingtième en Europe, en annonçant une 16e destination au départ et à l'arrivée de l'aéroport de la plateforme aéroportuaire brestoise, la compagnie Volotea. Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, dévoile ce mardi après-midi 7 mai, donc hier, c'est 18e et 18e destination. Euh, hier, pf. mardi dernier, je veux dire. De Brest, il sera ainsi possible de gagner les îles Canaries en saison hivernale. Lanzarote et Ténérife Sud. En effet, à partir du 9 novembre, deux nouvelles lignes seront opérées. Par Volotea, Lanzarote, son paysage volcanique fascinant, ses plages de sable doré et ses villages charmants, et Tenerife Sud, le paradis tropical prisé des vacanciers. Avec plus de 7500 sièges disponibles sur chaque destination et des vols programmés tous les samedis, nous proposerons aux habitants de la région une passerelle vers les destinations ensoleillées et exotiques pour des escapades inoubliables, précise la compagnie. Ces nouveautés sont d'ores et déjà disponibles sur notre site et sur l'ensemble des canaux de, di de distribution. Ils ont dit Ces deux nouvelles routes s'inscrivent dans notre objectif de développement de notre offre sur le territoire brestois afin de, de rendre le monde plus accessible aux Bretons et de leur offrir une expérience de voyage accessible et de qualité. Avec l'ajout de Lanzarote et Tenerife Sud à notre réseau au départ de Brest-Bretagne, nous sommes ravis de répondre à la demande croissante de nos passagers pour des destinations attractives et variées, et nous sommes impatients d'accueillir ces voyageurs à bord de nos vols vers ces magnifiques îles. Notre compagnie poursuit son engagement en faveur de la connectivité de la péninsule armoricaine et nous continuons à l'avenir dans cette voie. L'île Gosselin responsable France de Volotea. Avec le lancement, avec lancement de ces deux nouvelles lignes vers les Canaries, Volotea met à notre portée ce soleil en hiver qui nous manquait tant. Nos passagers réclamaient avec insistance une desserte vers les îles de l'éternel printemps. C'est chose faite. L'hiver prochain, la compagnie Volotea concr concrétisera donc un nouvel objectif dans le déploiement de sa base à Brest, en ajoutant Lanzarote et Tenerife à la liste des destinations proposées aux Bretons au départ de Brest. Donc voici le voici ce qu'a dit du coup Claude Abfrézade, directeur de l'aéroport la, de, de Brest. Allez, troisième actualité, passons à un constructeur aérien qui fabrique des avions relativement petits. Embraer livre son 1800e idlet, donc un idlet, en gros, c'est un, un avion dans leur langage à eux. Embraer a atteint une nouvelle étape de livraison dans le cadre du programme idlet avec la livraison du, mi, du 1800e avion produit. Le, nouver, le nouvel Embraer 190E2 appartient à Azora, appartenant à Azora a été remis le 2 mai à Royal Jordanian Airlines, une compagnie de Jordanie, dans les installations d'Embraer à São Sao, à Sao José, Dos Campos, au Brésil. Parce que oui, je vous rappelle qu'Embraer c'est un constructeur aérien brésilien. C'est le troisième E2 pour la compagnie aérienne qui exploite actuellement, qui exploite actuellement également 4 idlets de première génération. Royal Jordania recevra un total de 8 Embraer E2 dans le cadre de l'accord existant. Les idlettes ont connu un succès mondial dans les flottes de 90 compagnies aériennes et sociétés de leasing dans plus de 60 pays depuis la mise en service du premier avion en 2004. L'Embraer 190 E2 fait partie de la famille d'IDLET de génération avancée qui offre l'avion le plus silencieux, le moins polluant et le plus économe en carburant du marché. Des moins de 150 sièges. En 20 ans de service, les îles ont transporté 2 milliards de passagers sur 26 millions de vols sur une distance de, de 140 millions de kilomètres avec 90 compagnies aériennes de 60 pays. Donc vous avez vu, hein, comme vous avez pu le voir, 2 milliards de passagers ont déjà voyagé en Ambraire euh, ces 20 dernières années. On est compte quand même, hein, 2 milliards de passagers ont déjà voyagé en Ambraire. Nous sommes ravis de participer aux célébrations marquantes d'Ambraer et du programme IDLET reconnaissant la collaboration de longue date entre Royal Jordanian et Ambraire, soutenue par nos précieux partenaires d'Azora, affirme sa mère Majali, vice-président et PDG de Royal Jordanian Airlines. La famille d'avions E2 soutient nos objectifs stratégiques et s'intègre parfaitement à notre à notre vision de connectivité et de croissance régionale. Cela représente un rôle central dans nos efforts de modernisation de notre flotte, offrant une efficacité, une flexibilité et une satisfaction des passagers inégalés. En collaboration avec Embraer et nos estimés partenaires d'Azora, nous sommes impatients d'offrir une expérience exceptionnelle aux passagers, tout en contribuant à une industrie aéronautique plus durable. Arjan Meher, président et chef de la direction d'Ambraer Commercial Aviation, a attribué la longévité du programme IDET à l'accent mis par Ambraer sur l'excellence et l'amélioration contenue déclarant. C'est formidable de marquer cette étape avec deux partenaires clés, Royal Jordanian et Azora. Meher, a poursuivi. Nous recherchons toujours des moyens d'améliorer nos avions en réduisant les coûts d'exploitation, en prolongeant les intervalles de maintenance et en ajoutant de nouvelles technologies. Plus tard cette année, nous, annonc nous annoncerons un certain nombre d'améliorations de performance pour le 2 qui a annoncé prouver qu'il était prêt à voler avec 100% de SAF. Le 2 continue à démontrer ses avantages en termes de consommation de carburant, d'émissions, de silence, de fiabilité et de confort des passagers. Et notre compagnie et les compagnies aériennes en prennent note. Donc comme vous pouvez le voir, apparemment les embraires, ça marche extrêmement bien. Il y a énormément de compagnies aériennes qui commandent des embraires, dont la Royal Jordanian, qui est une compagnie de Jordanie. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup demain pour euh, non pas une histoire mobile parce que l'histoire mobile est annulée. Puisque euh, ce week-end, je ne suis pas chez moi, je suis euh, chez de la famille ce week-end. Voilà, je suis parti chez des gens de ma famille. Euh, voilà, donc il n'y a pas d'histoire mobile demain, mais il y aura très probablement un short demain. Donc je pense qu'on fera un short demain. Et puis je vous tiendrai au courant également pour du coup le, le live de dimanche. Je pense que le live dimanche aura bien lieu mais il durera probablement moins longtemps et le vol qu'on fera dans le direct donc le vol qu'on fera en, en direct sur Real Flight Simulator, je pense que le vol durera moins longtemps. On fera peut-être un petit vol, allez, un petit vol de 40 minutes, je pense. Donc je pense que voilà le live du, durera probablement moins d'une heure le live dimanche prochain. Voilà. Et je pense qu'on fera un vol plus court, je pense. Voilà. Ne vous inquiétez pas, dans les prochaines semaines, on fera des vols beaucoup plus longs et des lives pas beaucoup plus longs, mais on fera sera plus euh, diversifié en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le live durera moins longtemps que dimanche dernier. Allez, bye bye tout le monde On se retrouve demain du coup pour un short